Hello and welcome to the video. So today's video is going to be about our jaunt in the 2CV back in August. Madame Mega Bread Van was very kind and gave me a little surprise in the form of a little journey around the Dordogne for about 2 or 3 hours. Basically, a local man in Brantôme called Stefan, who incidentally is married to a British lady. Basically provides a service to hire out his 2CV. So he generally does sort of weddings and sort of parties, and he even hires out his 2CV as a hire car, or he just drives you around. He spends a lot of his time driving around the local area. There's lots of small country lanes, as you're going to see in the video, that he just explores, and he knows where to go, and knows where all the interesting places are, the chateaus and so on. And so we had a lovely trip with him out in his car. So you can hire his car. I'll put the site in the description. So if you're in Brantôme, look him up. So thanks to Stefan. Anyway, my father-in-law, as I've said in one of the last videos, passed away recently, and so I've decided, as sort of a tribute to him, to use some of his music in the video as well, which I think is very fitting because he was from Brantôme, and I thought that that would be very nice. So you can visit his site. It will also be in the description, and also on the screen. So go and have a look at his site. It's got some interesting music for children in the main, but some traditional music as well from the Périgord. He's got quite a large back catalogue. So yeah, have a look at that. I think we'll get on with it. So over to the video. De pierre, de calcaire et de demeure solitaire, Arrivérac, Arrivérac. S'il est de vignes bien taillées et de vignobles renommés, Abergerac, Abergerac. S'il est de bois, de châtaigniers et de landes abandonnées, Enontronay, Enontronay. S'il est de coteaux escarpés tombant sur de vertes vallées. Faut pas boire quand on
des voitures que je n'aime pas. Non, mais parce que ça va partir sans doute. Ah non, ça part pas. Je suis jamais trop monté en décapotable. Moi, je mets la casquette, ça part pas la casquette. Qu'est-ce que t'as dit, Rami? Je suis jamais trop monté en décapotable. Ah, oui, en décapotable. Je l'ai fait une fois. Moi, je suis déjà jamais monté dans une deux chevaux, donc si tu veux. T'es déjà quoi? Ah, je sais pas, je suis déjà jamais monté dans une deux chevaux. Mais moi j'ai jamais monté dans le décapotable. Enfin si, une fois. Ouais. Le système quand même. Hein? Ah, c'est bien préparé. Oui. Double suspension. S'il est de bois, de châtaigniers et de landes abandonnées, en ont trôné, en ont trôné. S'il est de coteaux escarpés, tombant sur de vertes vallées, en Sarladais, en Sarladais, c'est les mêmes villages, c'est les mêmes.
prochaine voiture, ça. Ce que j'aime ici, c'est qu'on on voit tellement de d'anciennes voitures. Vous arrêtez un peu ou ça m'était égal, hein, c'est comme vous voulez. Prendre des photos, ouais. Peut-être. Ouais. Ouais. Allez. Parce que je voulais me battre là-bas, mais Les mêmes paysages et les mêmes chansons, et c'est le même accent, c'est le même patois, c'est l'Occitan chez nous, c'est l'Occitan chez moi. Et de petits trous perdus, trésors cachés et vieilles rues, pour inconnus, s'il est de tables et de festins, de troubadours et d'écrivains, amis copains, s'il est de truffes et de pas, mille châteaux et plus encore. C'est le même accent, c'est le même patois, c'est l'Occitan chez nous, c'est l'Occitan chez moi. S'il est de bois, de châtaigniers et de landes abandonnées, en entronnées, s'il est de côtes escarpées, tombant sur de vertes vallées, en sarladées, s'il est de truffes et de porcs, mille châteaux et plus encore, le Périgord. Ça. Il va à gauche. Pas si autant. Mais grand pas. Eh ben, les 10-0 là.
Bon, les freins sont bien, hein. Ouais, les freins, ça va. Ouais. Ouais, non, mais j'ai pas compris. Hein. Pardon. Pas de clignotant, donc. Je pensais qu'il allait se garer à gauche. Seigneurs et les paysans de l'Occitan, de l'Occitan. C'est les mêmes villages, c'est les mêmes maisons, les mêmes paysages et les mêmes chansons. Et c'est le même accent, c'est le même patois. C'est l'Occitan chez nous, c'est l'Occitan chez moi. C'est les mêmes villages, c'est les mêmes maisons, les mêmes paysages et les mêmes chansons. Et c'est le même accent, c'est le même patois. C'est l'Occitan chez nous, c'est l'Occitan chez moi. C'est les mêmes villages, c'est les mêmes maisons, les mêmes paysages et les mêmes chansons. C'est le potier qui fait les ponts et la cruche pour mettre l'eau. Les vestes de toutes les couleurs pour mettre les fleurs. Sur son tour il a mis l'argile et de ses deux mains si agiles. Il a fait naître sous nos yeux l'objet merveilleux. Puis ensuite il l'a décoré et dans son four il l'a chauffé. Grâce à lui j'ai dans ma maison plein de beaux tout ronds. Va t'enquérir à la fontaine une grande cruche bien pleine. Si tu la casses mon pied rond, c'est que t'es un sot.
Oh, ça y est, c'est réveillé. Ils se sont réveillés, là. Bon, ils sont bien levés maintenant. Il y avait une sorcière au fond de mon jardin. Elle avait creusé une grotte pleine de chauves-souris. Et un soir, elle m'avait invité. Mais... j'ai pas voulu manger la soupe de la sorcière. C'était de la soupe de crapaud. Avec de la bave d'escargot. Berk, berk. Et puis des crottes de chameau. Berk, berk. Madame la sorcière, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Je reviendrai demain. Je lui avais dit de partir, mais le lendemain soir, elle m'a invité à nouveau. Je n'osais pas refuser, mais j'ai pas voulu manger la soupe de la sorcière. C'était des grosses araignées noires. Berk. Avec des rats et des cafards. Berk, berk. Et un serpent de Zanzibar. Berk, berk. Madame la sorcière, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Je reviendrai demain. Le lendemain soir, la sorcière était partie. Je rentrais chez moi, content, mais... j'ai pas voulu manger la soupe à la maison. Pourtant, cela sentait très bon. C'était un délicieux bouillon. Miam, miam. Avec du beurre, des potirons. Miam, miam. Mais au fond de la soupière, il y avait les yeux de la sorcière. Miam.